Faire 6 à 12 répétitions en musculation, ce n'est pas le plus efficace pour prendre du muscle. Grâce à la recherche, on a pu remarquer ces dernières années qu'on peut construire de la masse musculaire aussi bien sur des séries de 3 à 5 répétitions que sur des séries de 6 à 12 ou même 12 à 20 à condition de pousser ces séries proches de l'échec musculaire. Donc si tu préfères t'entraîner avec des charges lourdes sur des séries courtes, ça fonctionne. Et si tu es blessé et que tu dois utiliser des charges plus légères sur des séries plus longues pour éviter les douleurs, ça fonctionne aussi. À condition que tu te donnes et que tu pousses ces séries assez loin. Bien sûr, la fourchette des 6 à 12 répétitions est la plus utilisée et souvent la plus appréciée car elle est plus pratique. Car mettre léger et faire des séries très longues peut être fatigant car ça demande de rester concentré plus longtemps. Et mettre lourd et faire moins de répétitions peut demander de faire plus de séries pour compenser sur le manque de volume d'entraînement total. Je te conseille de garder la majorité de tes séries dans cette fourchette de 6 à 12, mais d'en faire quelques-unes sur des fourchettes plus basses et plus hautes pour varier. Varier les fourchettes de répétitions peut d'ailleurs permettre de dépasser un palier de stagnation sur certains exercices. Et si aujourd'hui tu es mince et que tu n'arrives pas à progresser dans ta prise de muscle, envoie-moi go sur Instagram pour que je t'aide.